Bonjour à tous Aujourd'hui, vous allez tester vos connaissances en français. Quand on apprend une langue, il est très important d'identifier ses points forts et ses points faibles. Je vous ai donc préparé 50 questions pour tester vos connaissances en français. Ce test est divisé en 5 catégories. Expression, conjugaison, vocabulaire, Orthographe et prononciation. Vous avez 10 secondes pour répondre à chaque question. Je vous conseille de prendre un papier et un crayon pour noter vos réponses, mais aussi pour calculer le nombre de points que vous avez obtenus dans chaque catégorie. Vous pourrez ainsi identifier vos points faibles et vos points forts. À la fin de ce quiz, je vous invite également. À aller voir les explications détaillées pour chacune des questions. J'ai mis le lien dans la partie description de cette vidéo. Maintenant si vous êtes prêts, on commence tout de suite avec 10 questions sur les expressions françaises. Que signifie l'expression quand les poules auront des dents Réponse A jamais, réponse B toujours, réponse C souvent ou réponse D Rarement. Que signifie l'expression ⁇ faire la fine bouche ⁇ Réponse A, être ridicule. Réponse B, être malin. Réponse C, faire des exercices de prononciation. Réponse D, se montrer difficile devant une chose qu'on devrait apprécier. Que signifie l'expression ⁇ lever le pied ⁇ Réponse A, ralentir. Réponse B, être maladroit. Réponse C, hésiter. Ou réponse D, danser. Que signifie faire un tour Réponse A, dessiner un rond. Réponse B, se promener. Réponse C, faire un nœud. Réponse D, construire une tour. Que signifie l'expression à toute allure Réponse A, lentement. Réponse B, élégamment. Réponse C, immédiatement. Réponse D, rapidement. Que signifie l'expression n'en faire qu'à sa tête Réponse A, être en colère. Réponse B, être têtu. Réponse C, être réaliste. Ou réponse D, être avare. Que signifie l'expression sauter aux yeux Réponse A, c'est bizarre. Réponse B, c'est évident. Réponse C, c'est laid. Ou réponse D, c'est incroyable. Que signifie avoir du nez? Réponse A, avoir de l'intuition. Réponse B, sentir bon. Réponse C. Avoir un grand nez. Ou réponse D, être curieux. Que signifie l'expression ⁇ tenter le coup ⁇⁇ Réponse A, abandonner. Réponse B, boire un verre. Réponse C, essayer ou réponse D, aider une personne. Que signifie mettre les bouchées doubles Réponse A, aller plus vite, réponse B, manger plus vite, réponse C, augmenter les quantités, ou réponse D, diviser en deux. Maintenant, voici les réponses pour la partie expression. Comptez un point par bonne réponse et calculez votre score. 1, A, 2, D, 3, A, 4, B, 5, D, 6, B, 7, B, 8, A, 9, C, 10, A. Continuons tout de suite avec 10 questions de conjugaison. Quelle forme est correcte Réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D mm -mm, de te plaindre. Choisissez la forme correcte. Réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D. À quel temps est la forme je courais? Réponse A, l'imparfait. Réponse B. Futur. Réponse C conditionnelle ou réponse D subjonctif. Quelle est la forme correcte Réponse A Réponse B Réponse C ou réponse D Elle a écouté attentivement les leçons. Comment écrivez-vous le verbe écouter dans cette phrase Réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D. Quelle est la mauvaise réponse Réponse A. Elles se sont disputées. Réponse B, elles se sont photographiées. Réponse C, elles se sont téléphonées. Ou réponse D. Elles se sont lavées les cheveux. Elles se sont euh, euh, comptes de leurs erreurs. Choisissez la forme correcte. Réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D. Les chansons que tu m'as fait écouter sont géniales. Dans cette phrase, comment écrivez-vous le verbe écouter Réponse A. Réponse B. Réponse C. Ou réponse D. Je regrette qu'il ait pris cette décision. Choisissez la forme correcte. Réponse A. Réponse B. Réponse C. Ou réponse D. Mm -mm, tu vas réussir. Quelle forme est correcte Réponse A Réponse B Réponse C Ou réponse D Maintenant, voici les réponses pour la partie conjugaison. 11B 12A 13C 14B 15A 16B 17D 18A 19C 20D. Continuons avec 10 questions de vocabulaire. J'ai laissé la bougie se compléter cette phrase. Réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D. Cette lettre est de Madame la Présidente. Complétez cette phrase. Réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D. Il a fait ⁇ dans la salle de classe ⁇ Complétez cette phrase. Réponse A, réponse B. Réponse C ou réponse D C'est un docteur en philosophie. Complétez cette phrase. Réponse A Réponse B Réponse C ou réponse D Il n'a jamais été très... Quelle est la bonne réponse Réponse A Réponse B Réponse C Ou réponse D Les explications de ce professeur sont... Réponse A Réponse B. Réponse C. Ou réponse D. J'aimerais avoir davantage de temps pour étudier. Comment écrivez-vous le mot davantage dans cette phrase Réponse A. Réponse B. Réponse C ou réponse D? On ne la trouve nulle part. Comment écrivez-vous là dans cette phrase? Réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D? Cette chanteuse a une voix incroyable. Comment écrivez-vous le mot voix dans cette phrase Réponse A Réponse B Réponse C Ou réponse D Je vous... Mm -hmm, ce paquet. De la part de Sophie, quelle est la bonne réponse Réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D Et maintenant, voici les réponses pour la partie vocabulaire. 21A, 22A. 23 C 24 C 25 C 26 A 27 D 28 C 29 C 30 B Continuons avec 10 questions d'orthographe. Il a bu deux verres et demi. Dans cette phrase, comment écrivez-vous le mot demi? Réponse A Réponse B Réponse C Ou réponse D Quels sont les horaires de la ligne 1 Dans cette phrase, comment écrivez-vous le mot Quel Réponse A Réponse B Réponse C ou réponse D. J'ai arrêté d'apprendre l'allemand, c'était trop difficile. Dans cette phrase, comment écrivez-vous le mot allemand Réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D. Est mal écrit. Réponse A, 700 millions. Réponse B, 6001. Réponse C, 87. Ou réponse D, 820. Elle a mis des rideaux bleu foncé. Comment écrire? L'adjectif de couleur dans cette phrase. Réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D. Quel est le pluriel du nom composé savoir-faire Réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D. Ma femme et moi, on est allés au restaurant. Dans cette phrase, comment écrivez-vous le verbe aller Réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D. Les cours de français ont lieu les ⁇ réponse A ⁇ réponse B ⁇ réponse C ⁇ réponse D ⁇ Ils veulent comprendre le subjonctif. Comment écrivez-vous le mot ⁇ tout dans cette phrase. Réponse A. Réponse B. Réponse C. Ou réponse D. Ces billets d'avion coûtent cher. Comment écrivez-vous le mot cher dans cette phrase Réponse A. Réponse B. Réponse C ou réponse D. Maintenant, voici les réponses pour la partie orthographe. 31, A, 32, B, 33, B, 34, C, 35, A, 36, A, 37, C. 38 B 39 C 40 A Et enfin, terminons ce test avec 10 questions de prononciation. Il a couru de 10 km aujourd'hui. Comment prononcer plus dans cette phrase Réponse A plus Réponse B plus Réponse C plus Réponse D pu Quel mot commence par un H muet Réponse A, haricot. Réponse B, auteur. Réponse C, hôpital. Réponse D, héros. Quel mot commence par un H aspiré Réponse A, hibou. Réponse B, histoire. Réponse C, hôtel. Ou réponse D, heure. Comment prononcer les lettres im dans ce mot Réponse A, 1. Réponse B, en. Réponse C im Ou réponse D, um. Comment prononcer les lettres il dans ce mot? Réponse A il. Réponse B i. Réponse C y. Ou réponse D, I. Comment prononcez-vous le X dans ce mot Réponse A, Z. Réponse B, S. Réponse C, X. Ou réponse D, X. Comment prononcez-vous la lettre X dans ce nom Réponse A, S. Réponse B, Z. Réponse C, X. Ou réponse D, Z. Il parle anglais. Comment prononcez-vous le mot ⁇ tout ⁇ dans cette phrase Réponse A, ⁇ tous ⁇ réponse B, ⁇ tous ⁇ réponse C, ⁇ tout ⁇ ou réponse D, ⁇ toutes J'en voudrais un, un, s'il te plaît. Comment prononcez-vous le mot plus dans cette phrase Réponse A, plus. Réponse B, plus. Réponse C, plus. Ou réponse D, pu. Comment prononcez-vous les lettres en dans ce mot Réponse A, en. Réponse B, 1. Réponse C, N. Ou réponse D, IN. Maintenant, voici les réponses pour la partie prononciation. 41, A. 42, C. 43, A. 44, A. 45 D 46 A 47 A 48 A 49 A 50 B Voilà, ce test est maintenant terminé. Je vous félicite d'être allé jusqu'au bout. Maintenant, allez voir les explications détaillées pour les questions qui vous ont posé problème. J'ai mis le lien dans la partie description de cette vidéo. J'espère que ce test vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.